Allez, maintenant on ouvre, on réouvre. Allez, encore une fois. Prenez vraiment bien le petit appui entre les deux là. Voilà. Voilà. Voilà, au fait, vas-y. Lève, tourne. Voilà, lève et tourne. Très bien. Allez, posez. Marchez pratiquement sur place comme ça. On va faire un petit truc, on va faire des petits squats pour savoir un petit peu où on en est. Donc toujours, on est en train de marcher entre les deux. Et hop, à volonté, on descend. Ce qui est important, c'est qu'il faut descendre bien droit. Les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Donc vous mettez bien le cul en arrière. Voilà, comme ça. On est bien droit au niveau du dos. Aidez-vous de vos bras. Voilà, comme ça. Vous marchez tranquillement, à volonté, et on descend. Voilà. Vous êtes à volonté. Super. Allez, à volonté. Très bien. Super. On se relâche un peu. On lâche le haut du corps. Alors, on commence à monter les genoux tranquillement. Alors, vous n'êtes pas vraiment à 90. Voilà, vous montez tranquillement les genoux en mode cardio. Vous êtes vraiment à votre rythme. Aidez-vous bien les bras. Allez, pareil sur les talons fesses. Voilà, tranquillement. On se réveille tranquille. Allez, on passe au monté de genoux. Bonjour Karine. Salut. Allez, on passe au talon aux fesses. Allez, soyez bien droit. Utilisez bien vos bras. Allez, posez, marchez. Hydratez-vous. Ophélie, je te cherche. Pareil, Joanne, j'ai l'impression de nous revoir il y a plus d'un an. C'est les mêmes décors. C'est ça, on ne change pas. C'est clair. Bon. Maria, pareil. Alors, il y a Stéphane qui a changé un petit peu, là, le fait d'être en extérieur. Bon, on va sur l'échauffement. De toute façon, on va continuer à monter en régime sur la première partie cardio. N'hésitez vraiment pas à être toujours en rythme, mais surtout à votre intensité. N'allez jamais au-dessus pour l'instant. D'accord ? On n'est pas là sur la première semaine à se mettre que dans le rouge. D'accord ? Soyez déjà sûr de quelque chose, c'est que déjà ce qu'on a enclenché, le fait de se lever très tôt, de se mettre dans une routine, c'est surtout ça en fait. Et après, on va y aller tranquillement. On va monter en régime tranquillement pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais ça, on en parlera tous individuellement parce qu'on a tous des objectifs et vous avez tous des objectifs individuels. Donc ça, on en parlera plus précisément en individuel. Donc ça, je vous proposerai vraiment les entretiens au cours de la semaine. C'est bon pour tout le monde ? Ça marche. Ça marche ? On va partir sur les montées de genoux. Donc, on est toujours sur les 30 secondes, d'accord ? Alors, au début, vous allez croire que la récup, elle est vraiment longue. Mais c'est surtout, c'est que mettez, j'allais dire, un minimum d'intensité qui puisse ne pas vous mettre dans le rouge. D'accord ? Donc, vous êtes assez haut, mais pas trop haut. D'accord ? On va essayer de tenir sur la longueur. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon ? Allez, on va s'y mettre. Mets un peu plus de son. Donc, on est sur montée de genoux d'abord. Montée de genoux croisés. Bon, ça, vous les connaissez. C'est bon ? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est en montée de genoux. Allez, on est bien droit. Utilisez bien vos bras. Voilà.
On sort 15 secondes. Allez, soyez bien droit. Pas de talon au sol. Vous marchez. Allez. Merci Karine. Bonne séance tout le monde. Karine vous dit bonne séance. Allez, marchez. On va passer en montée de genoux croisés. Donc c'est bien comme ça, hein, d'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on se déplace. On va chercher. Vous allez bien chercher le genou. Hop. Attention, on ne va pas trop tourner. D'accord ? Pas trop violent. Voilà. Les épaules restent bien droites. À son premier tour, on finit vraiment bien l'échauffement en montant le régime. Allez, 10 secondes. Super. 3, 2, 1, posez, marchez, vous pouvez vous hydrater en même temps. On sera sur talons ou fesses. Alors, talons ou fesses en mouvement, par contre. Donc là, vous pouvez marcher, vous pouvez aller en avant, en arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est bien droit, on utilise bien les bras, comme si on courait. Allez, on se déplace. Allez, soyez bien droit, soyez assez souple, pas de talons au sol. Cinq. 4, 3, 2, 1. Posez, marchez. Derrière, on sera sur les déplacements latéraux. Donc là, on ne descend pas pour l'instant. On est tranquille, un petit appui et on repart. On est vraiment latéraux. Faites 4-5 appuis, vous repartez. Allez, soyez toujours bien droit. Très bien. Soyez pas agressif avec vos appuis là. 3, 2, 1. Très bien. Bien sûr, vous imaginez bien que plus tard, il n'y aura pas trop de récup. Hein. Vous imaginez bien. Hein. Marche avant, marche arrière. Allez, c'est parti. On est en marche avant, marche arrière. On est en continu. Ah, c'est vraiment les mouvements basiques, mais c'est pour se remettre en route, hein. Sur celui-ci. Derrière, on va repartir sur les montées de genoux sans récup. Maintenant, on va faire les ateliers. 5, 4, montée de genoux, 2, 1, c'est parti, montée de genoux. Voilà. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut pour l'instant. C'est vraiment de ne pas avoir de talons au sol.
Utilisez bien les bras. À la limite, mettez plus d'intensité avec vos bras. Alors, on fait comme si tu courais là. Va bien chercher. Regarde, on fait comme ça. Vraiment, va bien chercher. Voilà. Alors, on passe en montée de genoux croisés. Top. Voilà. Utilisez bien vos bras. Vous mettez vos bras bien haut. Voilà. Allez chercher derrière. Très bien, on fait super. Bien, Maria. Super, Steph. Ouais, super, Steph. Essaye de garder bien tes épaules bien parallèles, voilà, face à la caméra. Très bien, Steph. Voilà. Super, Léo. Bien joué, Maria. Ah, mais c'est les danseuses de salsa, ça. Allez, encore. Super. On n'est pas en agressivité, on est vraiment souple. Encore 10 secondes, on passera en talons fesses. Très bien. Prêt, talons fesses, top. Allez, pareil. On est assez souple, on peut se déplacer. Toujours bien utiliser les bras, comme si vous couriez. Les épaules bien souples, bien délayées. Là. Allez. Pas de talons au sol. Il est bon. Allez. 30 secondes. Allez, utilisez bien vos bras. Vraiment comme une arme. Vous allez bien chercher comme un coureur. On sera sur les déplacements latéraux après. Donc là, on va commencer à mettre un peu plus de dynamique, d'accord? Pas de force, toujours. 3, 2, 1, c'est parti, allez. Très bien. Voilà, on rebondit. Toujours pareil, pas de talons au sol. On ne descend pas sur les appuis. Hein. Voilà, super. Très bien. Allez, petit rebond, là, vous rebondissez là. Vous êtes souple. Allez, 20 secondes. On est souple, on respire bien. Nez, bouche. On respire par le nez, on souffle par la bouche. On respire bien. On sera marche avant, marche arrière. Dans 3, 2, 1. Allez. Très bien. Vous prenez la surface que vous avez. Super. Essayez quand même d'avoir 2-3 mètres facile. Alors, soit vous n'avez pas, mais vous passez comme ça en diagonale. Voilà, super. Bon, je crois que demain, la séance, je crois que je vais peut-être la faire dehors. S'il fait beau. Allez. Super. Voilà, on a 30 secondes. On aura la récup derrière. On va attaquer le renforcement. Encore, allez. 15 secondes. Super. Cinq, quatre, trois, deux, un. Marchez. Super. Hydratez-vous. Alors, bien sûr que pour la première, j'ai choisi la playlist, hein, les amis. Mais après, vous pourrez la choisir. À tour de rôle. On va passer sur le renforcement, le gainage, d'accord? Donc, le gainage, on va être au sol. Alors, je vais mettre bien la caméra. Voilà. Alors,
Possibilité de gainage, soit sur les bras tendus, d'accord, ou sur les coudes. Principe d'avoir bien les fesses, mais vraiment très serrées, d'accord, très serrées. Essayez d'être le plus droit possible, le plus aligné possible, d'accord. Donc là, on va faire sur le gainage avant. Donc soit on est sur les coudes, soit on est sur les bras tendus. C'est bon pour tout le monde? Derrière, il y aura le gainage latéral. On sera pareil, soit sur le coude ou le bras tendu. Principe sur le côté, c'est le côté du mollet ne touche pas le sol, d'accord? Et on est le plus droit possible. Donc, on serre très fort les fesses et les abdos. Donc là, on est parti sur du gainage. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, d'accord? Alors, on part dans 20 secondes. Allez, 15 secondes. Hydratez-vous encore. Allez, 10 secondes. On peut se mettre en position sur les coudes ou bras tendus. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on est le plus droit possible. On respire bien. On peut être sur les coudes. Ah, on tient 30 secondes. On serre très fort les fessiers. Pareil sur les abdos. Deux, un, posé. On va se mettre sur le côté. Donc, soit bras tendus ou sur le coude. Principe, ne pas avoir le mollet du coude sur le côté là, qui touche le sol. Prêt? Top. Le bras opposé bien droit dans l'alignement là, du sol. On est vraiment bien droit. Allez, on serre bien les fessiers, bien les abdos. Posez. Allez, on change de côté. Arrêtez-vous 15 secondes. Cinq, en position, deux, un, c'est parti. Alors, on est bien droit, vous serrez bien les fessiers, bien les abdos, on lève bien, on est bien aligné, épaule, cheville, là, et le bras opposé pour l'équilibre. On va se mettre pareil sur les pompes. Donc, les pompes, soit sur les genoux, soit le corps tout tendu. D'accord? On tient pendant 30 secondes. Ce n'est pas de la vitesse, on tient un temps. Soyez pas agressif non plus là-dessus. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on peut être sur les genoux. On peut même faire les deux, soit sur les genoux ou soit jambes tendues. Allez, vous gardez un rythme, vous respirez bien. Trois, deux, un, zéro. Super. Super. On va se mettre sur les abdos. Donc, les abdos, on lève bien, on vient toucher les chevilles.
D'accord ? Donc on est là. On plie les jambes. On lève juste un peu les épaules du sol et on vient toucher le cul. 3, 2, 1, c'est parti. On n'est pas dans de la vitesse. Allez, on n'est pas dans de la vitesse, je regarde. Super, Steph. Très bien, Maria. Bien, Yo. Vous n'êtes pas dans de la vitesse. Super. Très bien. 3, 2, 1. Très bien. Restez en cette position. Là, on va faire abdos crunch. Donc là, on va juste lever un petit peu les épaules du sol. Attention, ce n'est pas le cou, ce n'est pas que la tête. C'est les épaules avec la tête. D'accord ? Pas d'agressivité. On essaie de garder un rythme. Toujours les jambes pliées. En position 3, 2, 1. On peut mettre les mains sur la poitrine. On lève vraiment bien la tête et les épaules du sol. Très bien. On respire toujours les bouches. 3, 2, 1. Super. Super. Allez, hydratez-vous. On va partir sur les deux derniers blocs cardio. Donc là, on va faire du continu, d'accord ? Donc sur les 5 exercices, on les enchaîne, d'accord ? Donc montée de genoux croisés, talons aux fesses, déplacement latéraux, marche avant, marche arrière, et on enchaîne montée de genoux, d'accord ? Donc là, on n'a plus de récup, c'est 30 secondes par atelier, et on finit sur le bloc de cardio. C'est bon pour tout le monde ? Maria, elle est au taquet. Super. Alors, on attaque dans 30 secondes. Donc là, on finit par du cardio. Voilà, pour 10 minutes. Après, il y aura étirement, hydratation, café, douche, boulot. Dodo. Allez, dans 5 secondes. C'est bon. On attaque sur les montées de genoux. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Voilà, j'ai le soleil qui me pète les yeux. Montez un peu plus la caméra. Voilà, Maria. Plus tes bras comme ça. Voilà, comme si tu courais, proche du corps, vraiment bien collé, comme si tu courais. Voilà, super, bien Steph aussi, essaye de bien coller. Allez, montez de genoux croisés, top. Voilà, bien en souplesse. Voilà, allez bien chercher. Si vous voulez gérer de l'intensité, les bras bien hauts. Très bien, super. Talons aux fesses. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On est bien souple, on utilise bien les bras. Allez. Bien collé au corps. Voilà. On a son rythme. En déplacement latéraux. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on ne descend pas, on est souple. C'est la reprise. Voilà. N'oubliez
bougez pas, pas de talon au sol, on est bien souple. Très bien. On sera en déplacement devant, derrière. 3, 2, 1. Toujours pareil, en souplesse. Très bien. Allez, dans 10 secondes, on sera sur les montées de genoux. Allez, très bien, en souplesse. 3, 2, 1. Allez, on monte les genoux. Allez, utilisez bien les bras. Allez, c'est le dernier tour, on peut monter un peu le régime. Toujours pareil, on n'est pas obligé de les monter très haut les genoux pour l'instant. C'est vraiment du cardio et du rythme. On va passer à monter le genou croisé dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, en souplesse. Allez. Très bien. Super. Talons fesses dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Toujours les bras. On utilise les bras. On est en souplesse. Allez.